Au sommaire de ce journal, depuis son apparition le 9 septembre, au moins 12 cas de dengue ont été confirmés par les services sanitaires. L'information a été donnée ce mardi en faveur d'une conférence de presse. Plus d'une dizaine de partis et regroupements politiques ont signé ce lundi un appel pour la paix et la stabilité au Mali. Par cet appel, ils veulent apporter leur soutien aux autorités pour la restauration de la paix et la stabilité au Mali. Les acteurs des organisations de la société civile des 19 régions du Mali et le district de Bamako se forment sur la documentation des cas de corruption au Mali. Il s'agit de renforcer leurs capacités pour les dénonciations des cas de corruption. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé une conférence de presse pour faire le point de la situation épidémiologique de la dengue au Mali. L'objectif de cette rencontre de presse était d'informer la population sur l'évolution, les symptômes et les méthodes de prévention. C'était ce mardi 19 septembre 2023 dans les locaux du ministère. Faisons le point avec Awasanogo et Lassine Diakité. Après l'enregistrement d'un cas confirmé de la dengue au Mali il y a quelques jours, le ministère de la Santé et ses partenaires ont fait le point de l'évolution de la maladie ce mardi devant les hommes de médias. De cette date à aujourd'hui, nous avons enregistré 65 cas suspects chez qui nous avons fait des prélèvements et lesquels prélèvements nous ont permis de confirmer 12 cas. Et ces 12 cas sont répartis entre les districts sanitaires de trois régions. Il s'agit de Bamako, de Koulikoro et de la région de Mopti. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de l'OMS ont réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement pour la prise en charge des malades de l'épidémie de dengue. La situation est sous contrôle. Les équipes d'investigation sont sur place, la surveillance active est là, les équipes de prise en charge sont encore à pied d'œuvre et attendent vraiment tous les, en tout cas vont fournir le nécessaire pour la prise en charge de tous les cas. Nous souhaitons que ce soit des cas simples, qu'il n'y ait pas de décès du tout et que toute la population puisse en sortir grandie et qu'on tire les leçons avec. Le secrétaire général du ministère de la Santé a profité de cette conférence de presse pour inviter la population au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires pour endiguer l'épidémie de dengue. Jusque-là, nous remercions le bon Dieu. C'est des cas simples qu'on a en tout cas diagnostiqués, qui sont pris en charge pour le moment. Mais pour dire tout simplement que c'est le rôle en tout cas du ministère de la Santé et du Développement social d'aviser la population et de les définir les différentes conduites à tenir face à des événements en tout cas de santé publique. Et pour que réellement nous puissions être prompts et agir, bien entendu, par les mesures de prévention, comme on le dit chez nous, mieux vaut prévenir que guérir. À rappeler que parmi les 12 cas de dengue confirmés, aucun cas de décès n'a été enregistré pour le moment. À présent, écoutons Dr Charles Dara, infectiologue, qui nous parle des symptômes de la dengue, toujours au micro de Awasanogo. Nous dirons que la dengue, c'est une arbovirose. Donc, c'est une maladie qui est due à un virus. Et dans ce contexte ici, le virus, il est transmis par un vecteur qu'on appelle un moustique. Et spécifiquement, ce moustique s'appelle Aedes, dont il y a deux formes. Il faut noter qu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques. Ce n'est pas parce qu'on est infecté par le virus de la dengue qu'on va tomber malade. Donc, beaucoup vont faire leur maladie sans manifester de signes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne partie de cette maladie. Par ailleurs, il y a des cas symptomatiques qui peuvent être des cas simples ou des cas graves. Les cas simples, c'est juste un tableau grippal, un peu de fièvre, des arthralgies, ça veut dire des douleurs au niveau de des articulations, des douleurs musculaires, qui peut passer sans nécessiter une prise en charge ou une hospitalisation souvent. Donc, comme nous sommes dans un pays à forte endémicité palus et nous sommes en période hivernale, on peut les confondre fréquemment avec le paludisme et ça peut passer inaperçu. Donc, l'autre forme qui existe encore, c'est les formes sévères, dont il y a la forme hémorragique et il y a les formes qui se manifestent par des chocs. Donc, ça veut dire des gens qui vont faire des hypotensions
qui peuvent en mourir si la prise en charge n'est pas adaptée. Donc, si nous résumons en symptomatologie, c'est vraiment des douleurs, des céphalées, des fièvres qu'on peut retrouver. Et un des signes particuliers de la dengue, c'est les douleurs à la mobilisation de l'œil. Donc, quand un patient vous dit, ou bien un proche vous dit, en faisant les mouvements de mes yeux, j'ai très mal au niveau frontal ou j'ai très mal au niveau de la tête, ça doit alerter à la recherche de la dengue. Donc, au niveau du grand public, ce sont ces symptomatologies que nous pouvons donner. Dans le cadre des activités de la deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation, le ministère de la Réconciliation et celui de la Sécurité ont organisé une conférence débat sur la sécurité humaine. Cette rencontre qui a réuni les experts de la réforme du secteur de la sécurité des forces de défense et de sécurité visait à familiariser les participants avec le concept de sécurité humaine. Maliki Diallo. Cette deuxième activité de la Semaine nationale de la réconciliation met en avant la sécurité des citoyens. Pour ce faire, des forces de sécurité et de défense renforcent leurs capacités sur le concept de la sécurité humaine et échangent sur le rôle de chacun dans le dispositif sécuritaire. La sécurité humaine, en raison de sa multipolarité, fait appel à des acteurs multisectoriels dans un cadre de concertation, de collaboration et de partenariat. Elle a fondamentalement un double but. Un but de sécurité publique qui consiste à protéger la vie des personnes et à les libérer de la peur, ainsi qu'un but de développement humain qui tend à libérer les individus du besoin. Monsieur le ministre, chers invités, sans vouloir répondre à la question objet de la présente conférence, il me plaît de faire savoir que les missions assignées au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité traduisent la volonté et l'option prise par les plus hautes autorités de notre pays dans l'optique du renforcement de la sécurité humaine. Et plusieurs actions importantes sont en train d'être menées dans ce sens. Pour renforcer la sécurité humaine, les autorités maliennes ont pris des dispositions légales permettant d'impliquer davantage les citoyens pour leur propre sécurité. Ces dispositions ambitionnent de mettre les citoyens à l'abri du besoin. Alors, au niveau national, les hautes autorités ont fait ce qu'elles doivent faire. Déjà, en avril 2022, il y a un décret qui a été adopté qui approuve la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité, qui est un processus engagé par les hautes autorités, dont la vision est autre que la sécurité humaine. Si vous lisez la vision de cette stratégie, il s'agit de procurer aux citoyens maliens des conditions de vie honorables et décentes, puis garantir la satisfaction des besoins essentiels pour tous. Donc, ça veut dire que l'objectif visé par les hautes autorités, c'est la sécurité humaine. Et pour ce faire, il y a des structures qui sont prévues au niveau régional ainsi qu'au niveau communal, qui regroupent les porteurs d'une bonne façon globale, mais également les acteurs de la société civile, notamment les femmes et les jeunes. Donc, mettre tout le monde ensemble pour effectivement contribuer à la sécurité qui est indispensable pour le développement, qui est indispensable pour la paix de façon globale. Avec la recrudescence des violences armées, les autorités demandent la collaboration des citoyens pour une meilleure sécurité humaine dans notre pays. Semaine nationale de la réconciliation, parlons-en toujours cette fois-ci pour parler de la paix et la cohésion sociale dans l'espace universitaire. Une conférence débat a été organisée sur le sujet ce mardi à l'Université de Kabbalah. Gabriel Keïta. Les jeunes, acteurs de changement pour une paix durable. Tel était le thème de cette conférence initiée par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale dans le cadre des activités de la deuxième édition de la Semaine nationale de la Réconciliation. Elle vise essentiellement à renforcer la paix et la cohésion dans l'espace universitaire. Alors, jeunesse, facteur de changement, vous savez, tout ce qui se passe, aussi bien qu'en mal, dans un pays ne va pas sans la jeunesse, parce qu'elle est le bras moteur de toutes les activités du pays. Donc la preuve, on est dans l'amphithéâtre aujourd'hui de l'université. Donc tout ce qui se conçoit, s'exécute, ne va pas sans la jeunesse. Donc si on doit espérer sur un changement, c'est sur elle qu'on va espérer, parce que sans elle, il n'y a pas de changement. C'est le sens de ce thème.
Le choix de Kabbalah pour abriter cette conférence a été salué par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le recteur de l'Université des Lettres, Langues et des Sciences humaines de Bamako. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation d'avoir pris cette initiative aussi importante que nécessaire pour la quête de la paix dans notre pays. C'est un message fort des autorités de la transition qui voient dans le monde universitaire et dans le secteur de l'éducation un maillon important de l'œuvre de refondation de notre État. Et je pense que cette initiative a été la bienvenue. Elle a été une bonne initiative et je crois que le ministère de la Réconciliation a choisi un partenaire capital qui est l'université et un public capital qui constitue, n'est-ce pas, la jeunesse. Après cette conférence débat, d'autres activités sont prévues pour les jours restants de la Semaine nationale de la Réconciliation. Dans le but de faire échec à toute tentative de déstabilisation du Mali, des partis et des regroupements politiques ont signé ce lundi 18 septembre 2023 un appel pour la paix et la stabilité au Mali. Initié par le parti Union pour la République et la démocratie, URD, ils sont plusieurs entités politiques à avoir répondu présent à l'appel ce lundi 18 septembre 2023. Assidan Diallo, Matala Ouattara. Ils sont plus d'une quinzaine de partis et de regroupements politiques à avoir apposé leur signature à la déclaration de l'appel de l'URD. Invitons tous les Maliens à unir toutes nos forces pour faire échec aux ennemis du Mali de l'intérieur et de l'extérieur et à promouvoir la cohésion sociale, l'entente, l'unité et la solidarité. Restons disponibles pour toute action allant dans le sens de la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Ainsi, au vu des événements que traverse le pays, cet appel vise à renforcer l'union et la solidarité de tous et toutes afin d'empêcher toute tentative de déstabilisation du pays. Moi, je suis heureux d'être ensemble, d'apporter les solutions, de sortir de cette crise, de soutenir la transition et nos forces de défense et de sécurité. Conformément à l'hymne national du Mali, à ton appel Mali. C'est le Mali qui nous a appelés. C'est le Mali qui a besoin aujourd'hui que ses enfants se donnent la main. Faire la politique, c'est servir son pays. Tous les présidents des partis politiques ici présents aujourd'hui sont dans cette logique, se sont battus pour le Mali et continuent de se battre pour le Mali. Nous avons cru bon de nous donner la main comme un seul homme pour défendre d'abord ce pays. Nous donner la main également pour apporter un soutien inconditionnel et indéfectible à nos forces armées de sécurité, pour inviter les autorités de la transition, inviter également les mouvements signataires à revenir autour de la table. Nous pensons que le seul combat que nous avons à mener aujourd'hui, les seuls ennemis que nous avons aujourd'hui, ce sont les terroristes, les forces du mal. À tour de rôle, chaque parti et regroupement présent ont apposé leur signature, gage de leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité. Par ailleurs, la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté avec l'appui du PNUD a organisé ce mardi 19 septembre 2023 à l'Institut national de santé publique de Bamako une session de formation des points focaux et l'équipe de projet sur le monitoring, la documentation des cas de corruption et l'utilisation de la plateforme Kenekanko. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des points focaux de la coalition en technique de monitoring dans le cadre du projet d'appui à la mobilisation de la société civile malienne pour les dénonciations des cas de corruption. Oumou Traoré ou Marco Ita, compte rendu. C'est dans le but d'appuyer les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre la corruption dans le secteur de la sécurité et de la justice que la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté et ses partenaires ont organisé cette session de formation. À travers cette formation, la coalition des OSC pour la lutte contre la corruption et la pauvreté veut fédérer les organisations de jeunes, de femmes et les leaders communautaires autour de la problématique de la lutte contre la corruption à travers les dénonciations sur la plateforme mobile Kenekanko. Durant deux jours de formation,
Les points focaux seront initiés aux concepts liés à la corruption et à l'utilisation de la plateforme Kenekanko, mais aussi ils vont se familiariser avec la fiche de signalement et la fiche d'activité quotidienne. Faudra-t-il les rappeler que le problème spécifique au Mali de notre sous-développement est et demeure la corruption. Et si on a un partenaire engagé à nous aider à se développer, parce que quand nous parvenions à vaincre la corruption, le développement sera au rendez-vous et le Mali croit sera aussi au rendez-vous. Cette formation se tient dans le cadre du projet d'appui à la mobilisation de la société civile malienne pour les dénonciations de la corruption, financé à hauteur de 160 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois. Le représentant du PNID a rassuré que son organisation continuera d'appuyer le projet. Donc vraiment, on vous remercie pour votre disponibilité, votre volonté de travailler sur un sujet qui est aussi important et qui, je le rappelais, est oui une priorité de notre association, mais surtout une priorité des populations. Donc c'est clair qu'on va essayer de créer des passerelles, nous aussi, dans le cadre de ces partenariats et dans le cadre de ce projet, entre vous et eux, de manière à ce que vous puissiez échanger de manière permanente et créer vraiment un dialogue le plus constructif possible. À rappeler que plus de 40 personnes venues des 19 régions et du district de Bamako prennent part à cette session de formation. L'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali appelle Mali à organiser une cérémonie de signature de la charte des professionnels de la presse en ligne au Mali. Cette signature rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet L'Internet et les médias pour la citoyenneté et la paix afin de renforcer les compétences de la presse en ligne et des journalistes dans les régions de Kouloukoro-Ségou et le district de Bamako. C'était hier jeudi à la Maison de la presse. Compte rendu à Issata Diarra, Zakaria Omar Keïta. Cette signature de charte des professionnels de la presse en ligne au Mali vise à renforcer les compétences des médias et des journalistes dans les régions ainsi que dans le district de Bamako. Elle intervient dans le cadre du projet L'Internet et les médias pour la citoyenneté et la paix financé par l'Union européenne. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont de taille. Alors, quand nous avons initialement pour objectif de former 65 journalistes, nous avons réussi à former 68, abordant des thématiques essentielles telles que la citoyenneté numérique, le journalisme sensible aux conflits, les genres, la lutte contre la désinformation et l'extrémisme violent. Le président de la Maison de la Presse, après avoir réitéré son soutien à l'appel Mali, a rappelé aux partis signataires l'importance de la charte dans l'exercice de leur métier. La charte trouvera toute sa valeur, toute son importance, lorsque ceux qui se sont engagés à travers une charte respectent la parole donnée en respectant l'écrit. Et nous croyons que adhérer à cette charte est d'abord une action volontaire. Le représentant du ministre de la Communication numérique a salué l'engagement de l'Appel Mali pour l'aboutissement de ce nouveau projet. Féliciter l'Appel Mali, mais aussi avoir initié non seulement le lancement de ce projet important pour le secteur, mais aussi la signature de cette charte. Après cette cérémonie de signature, les responsables d'Appel Mali promettent de fournir un exemplaire de cette charte aux rédactions des organes de presse au Mali ainsi qu'aux organisations fêtières de la presse. D'une association à une autre, l'association Femmes Éthiques a organisé ce mardi au mémorial Modibo Keïta une communauté de parties prenantes, un cadre d'échange d'expérience afin d'organiser des activités de plaidoyer pour soutenir les groupes cibles du programme Voice. Bakary M. Sidibé. Cette rencontre s'inscrit dans le processus des liens et apprentissage de Voice Mali, qui encourage le partage des leçons apprises et fournit un espace d'échange pour l'apprentissage mutuel et l'autonomisation des groupes les plus marginalisés et les plus discriminés dans la société. Nous avons les personnes vivant avec handicap qui sont le premier groupe
Il y a les filles, les femmes à risque d'exploitation et ou abus sexuels. Et enfin, nous avons les personnes qui sont discriminées selon leur ethnie. Parce qu'il faut savoir qu'on est partenaire avec des associations aussi qui sont nouvelles, qui sont novices dans le domaine. Donc, ils ont besoin vraiment d'avoir les expériences et le coaching de ceux qui sont vraiment plus expérimentés qu'eux. Donc, l'objectif même, c'est ça, pour qu'ils puissent échanger avec eux, parler de leurs défis, des problématiques et aussi avoir des propositions de solutions. Une initiative qui permettra, selon les parties prenantes, de renforcer non seulement les liens de collaboration, mais aussi leur capacité d'intervention. Ça peut contribuer à renforcer nos activités dans les jours à venir parce que ça permet déjà de partager des expériences, des exemples qui n'ont pas marché et des exemples qui ont marché. Donc ça permet aux uns ou aux autres de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Cet espace d'échange intervient après quelques mois d'arrêt des activités et constitue pour les initiateurs un facteur pour relever les défis. Et tout d'abord des retrouvailles et aussi pour qu'on ne puisse pas perdre vraiment l'engouement qu'on avait parce qu'à chaque mois on faisait des activités mais on a fait plus de 3-4 mois, il n'y a pas d'activité. Donc l'engouement que les partenaires avaient, nos attentes est que les questions, les idées puissent vraiment ressortir comme avant, qu'il n'y ait pas de rupture. Au nombre de 25 organisations partenaires de Voici Mali, on prit part à cette communauté des parties prenantes. En dehors des activités prévues dans le programme, d'autres activités sont prévues avec les nouvelles organisations partenaires qui ont rejoint le projet. Direction Sikasso, où la cérémonie de passation des grades supérieurs ceinture noire et dan, organisée par l'Union nationale de Kinfu-Sou, a eu lieu ce week-end. Première du genre dans une région, elle a enregistré la participation de plus d'une centaine d'élèves, ainsi que la présence de plusieurs personnalités du monde des arts martiaux, mais aussi des élus locaux. Il s'agit, à travers cette cérémonie, de promouvoir le Kinfu-Sou dans la région de Sikasso. Idrissa Diallo. Ce dimanche 17 septembre s'est tenue à Sikasso la cérémonie de passation des grades supérieurs ceinture noire et dan Kung Fu Wushu. Cette initiative de l'Union nationale de Kung Fu Wushu, qui a vu la participation de plus d'une centaine d'élèves, vise à promouvoir la discipline dans la région. Le bureau de Sikasso a beaucoup d'objectifs. Raison pour laquelle nous avons sollicité auprès du bureau national cette fois-ci qu'il puisse décentraliser la passation des grades supérieurs à Sikasso. Et en fonction de nos activités que nous menons, le bureau régional de Sikasso pour le développement des arts martiaux à Sikasso et dans les autres régions du Mali. Le parrain ainsi que les autorités locales ont apprécié l'initiative. Pour nous, les arts martiaux contribuent à la santé et du coup, ils contribuent aussi au développement. Et nous disons que tous ceux qui sont là doivent être désormais des ambassadeurs, à encourager nos enfants, à encourager nos jeunes sœurs à pratiquer les arts martiaux. Ce que vous avez vu, aussi bien à l'intérieur qu'au niveau du pourtour de la salle, l'engouement, moi je suis très satisfait et agréablement surpris. Franchement, vous voyez, aujourd'hui il a plu toute la matinée, et malgré, n'est-ce pas, le temps, le climat, etc., les gens sont restés. Ils ont du mal à s'en défaire. Moi, je suis très ému de voir que le sport vraiment suscite un certain engouement. Nous sommes tous maliens, c'est vrai, nous sommes tous jeunes encore. Mais moi, je suis encore de Sikasso. Donc, c'est une fierté de voir que le Kung Fu, qui est un art un peu compliqué comparativement à beaucoup d'autres arts, que cela suscite un certain engouement, c'est vraiment une réelle satisfaction, disons, pour moi, franchement. Démonstration de base, taos de base, démonstration supérieure, taos supérieure, kinyon, taos de programme, attaque, combat, ont été les différentes séquences de cette cérémonie. Vivement la prochaine édition. La politesse ne coûte rien, mais achète tout. Proverbe africain, bonsoir.